c'est ce que l'on peut appeler un flop. Pourtant, Marlène Schiappa était impatiente de publier sa façon d'être à moi, son 9e livre écrit depuis que Emmanuel Macron est devenu président de la République. Et si sa maison d'édition avait misé sur un petit succès en libraire, il n'en est rien. Sorti le 6 octobre dernier, il ne s'est vendu quoi. 70 exemplaires. Un véritable camouflet pour la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la citoyenneté, qui en attendait bien mieux. Dans cet ouvrage, elle raconte l'histoire d'amour d'une directrice des affaires publiques d'une société de cosmétiques bio et le rédacteur en chef politique du Figaro. J'ai passé presque 4 ans à écrire ce roman et pour cause, j'ai vraiment fait une enquête, comme quand j'étais journaliste, sur la composition des produits de beauté, racontait-elle dans les colonnes de Madame Figaro. Autrice de plusieurs romans, dont un érotique écrit sous pseudo, Marlène Schiappa était très heureuse de publier ce nouveau roman. Depuis que je suis ministre, je n'ai pas transformé ma personnalité ni ma façon de parler, ni ma façon de m'habiller. J'étais romancière longtemps avant d'être ministre, mon premier roman a été traduit en 12 langues. Au début, mes collègues trouvaient ça surprenant, maintenant ils disent, c'est Marlène Schiappa, confiait la ministre auprès de nos confrères. La littérature, c'est pas honteux non plus. Il y a des gens qui vont à la chasse, qui font du golf, moi je lis et j'écris. Sûrement touchée par le manque d'entrain des lecteurs, elle pourra espérer faire mieux le 26 janvier prochain grâce à son nouvel ouvrage, c'est une bonne situation. Ça, ministre, Marlène Schiappa, moi je ne fais pas de sport, j'écris des livres auprès de nos confrères. Marlène Schiappa s'énervait d'être critiquée pour avoir publié un nouveau roman alors qu'elle travaille au quotidien dans son ministère. J'observe qu'on ne pose jamais cette question, par exemple, au ministre de l'économie et des finances qui a publié plusieurs romans et essais depuis le début du quinquennat. Au contraire, on trouve cela formidable qu'ils prennent le temps d'écrire des livres et d'avoir une bulle culturelle, s'agaçait Marlène Schiappa auprès de nos confrères. Le ministre de l'éducation a lui aussi écrit plusieurs livres pendant le quinquennat et il n'a pas été attaqué pour cela. De même, lorsqu'on voyait des vidéos de l'entraînement de boxe d'Édouard Philippe, personne ne lui a dit « Mais c'est scandaleux, vous êtes Premier ministre. Voilà, moi je ne fais pas de sport, j'écris des livres, je ne vois pas pourquoi ce qui serait permis à ces éminents ministres me serait interdit ».